soyez indulgents avec lui. Mais nous allons voir maintenant, malgré tout, 6 minutes de ce match au sommet qui a donné ce qu'il promettait, c'est-à-dire un grand match de deuxième division. Voici donc Lens-Brest, commenté par les Yéroustes. Lens-Brest. Brest joue sur la gauche en maillot bleu. Nous sommes bien loin des matchs européens contre Malmö, Lazio et Magdebourg. Mais le public lensois a encore répondu présent à l'appel. Il y avait plus de 20 000 spectateurs ce soir au stade Félix Bollard. Et l'action la plus dangereuse de ce début de partie, avec le Thomas Hulu qui donne en retrait pour Gouavec. Edouard qui sauve in extremis au pied. Réaction de Lens avec l'ex-parisien Zlatarić. Zlatarić qui lance Verstraat qui n'est pas hors jeu sur cette action. Le ballon ricoche sur le poteau et Bernard qui sauve sur la ligne. Les attaquants lensois lèvent le bras, mais M. Wurtz n'accorde pas le but. Regardez au ralenti. Le ballon n'a pas franchi la ligne. De Martini. Il sauve une première fois. Daniel Bernard, une seconde fois. Coup franc pour Lens. Lens qui domine en ce début de partie. Coup franc tiré par Grabzik. Reprise de l'ailier Fuchs. Bernard renvoie une nouvelle fois. Tir de Verstraet. Et Brest qui se dégage. Pas pour longtemps puisque Zlatarić récupère. Une tête de Didier Senac, Grabzik, le capitaine lensois. Et toujours Lens. Et un tir à côté. Pas de problème pour Daniel Bernard. Un corner tiré par Bourleton. Tête de Fuchs sur la transversale. Reprise de Françoise, puis de Zlatarić à côté. Décidément, la réussite n'était pas au rendez-vous. Toujours 0 à 0. Nous revoyons cette tête au ralenti. Et reprise de Françoise et Zlatarić. Reste à l'attaque avec Kédier, Lenoir, qui lance Loulou Floch, qui devance Edouard après avoir pris de vitesse l'arrière-gauche lensois. C'est le premier but de la partie. 1 but à 0 pour Brest, c'est bien sûr une surprise. Un but marqué un petit peu contre le cours du jeu. Un but que nous revoyons. Vraiment une passe au millimètre de Lenoir et Floch qui passe Edouard avant de marquer dans le but vide. 1 but à 0. On joue depuis 32 minutes. Toujours Brest avec son avant-centre Marté, un très bon tir de Lotomahu et Edouard qui détourne en corner. Lotomahu, ailier gauche de cette équipe de Brest qui a posé de nombreux problèmes à son vis-à-vis Joly. Soyez attentifs sur ce corner. Regardez. Un premier tir qui est renvoyé par Edouard. Leroux a suivi. 2 à 0 pour Brest. Yvon Leroux, qui est le stopper de cette équipe de Brest, il n'a que 18 ans. À la mi-temps, Brest 2, Lens 0. On s'attend à une réaction lensoise et puis coup de théâtre, Brest va ajouter un troisième but en ce début de deuxième mi-temps. Un but sur l'avant-centre Patrick Marté. Patrick Marté qui marque ainsi son 14e but de la saison. Après une mésentente entre Edouard et Didier Senac, le stoppeur de l'équipe lensoise. Trois buts à zéro. Autant dire que le match est joué alors que vous revoyez ce centre de Lenoir et cette tête de Patrick Marté. Lens va pourtant dominer tout au long de cette deuxième période. Ici, il est Lensois à l'attaque.
on renvoie de la tête et un très bon tir de Bourlecon qui plombe le gardien Daniel Bernard. 3-1, ce sera le score final, c'est bien sûr la grande surprise. Brest creuse ainsi l'écart au classement puisque Lens se trouve maintenant à 3 points. Le résultat dans le groupe A.